bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action du 15 janvier 2020. Et Jiffy. Donc, je vais commencer par Jiffy. Donc, Jiffy, voilà. Des petits tsum-tsum comme ça. Donc là, c'est Dumbo. Voilà, Disney. C'est Dumbo quand il est en clown, c'est ça? Oui, clown de Dumbo. Voilà. Avec sa petite queue derrière. Voilà. Trop mignon. Donc voilà celui-là. Et là, c'est Maman Dumbo. Donc c'est Jumbo. C'est ça. Maman Dumbo. Ça s'appelle Mrs. Jumbo, je crois. Dès que je regarde. Mrs. Jumbo, voilà. Avec la petite queue, pareil. Donc ça, 2,50€ pièce. Donc 5€ les deux. Très contente. Voilà. Ensuite, on passe à... une boîte comme ça. Voilà, je vous la fais voir, elle est transparente. C'est pour ranger mes tampons clear ou ranger les trucs avec roulette. Elle était à 5,99€. Donc là, vous voyez, il y a le couvercle et tout. Voilà, pour ranger mes trucs. Et quand il y en aura d'autres, j'en prendrai d'autres. Pour les toilettes de Harpic, c'était semaine de la promo. C'était à 99 centimes. Voilà. Ensuite, le Sopalin qui essuie bien, qui essuie tout, qui est très bien, qui c'est en XL. Il y a 103 plis et il est ultra résultant. Il est très bien, je vous conseille, il absorbe vachement bien. Donc ça, c'était 1€ et des brouettes. Je ne me rappelle plus exactement. Voilà. Ensuite, pour coller sur le téléphone, ce que j'ai déjà fait. Vous voyez? Donc on peut mettre la main comme ça, regardez. Tombe pas. Donc voilà. Donc quand je changerai de coque, parce que je compte changer une coque Disney bientôt. Donc voilà. Donc ça, c'était 99 centimes, il me semble. Donc il y a un truc, un autocollant et tout ça. Donc il existe en doré et argenté. Voilà. C'est le X Smartphone X Ring X Tronic. Voilà. Horizontal, vertical, tout ça. Bon, bref. Voilà. Ensuite, une trousse. Oui, j'ai cassé la mienne. J'ai mis trop de trucs démodés et elle a cassé en haut. Quoi. Donc du coup, voilà. Donc, vous vous reconnaîtrez. Donc, c'est Frozen 2. Donc, la Reine des Neiges 2. Et ça, c'était, je sais plus, pas cher. 89 centimes, il me semble. Voilà. Ensuite, j'ai pris une boîte comme ça. Moins de 2€ pour ranger les die-cuts. Je la trouvais très jolie. Elle se ferme comme ça avec des... Voilà, très bien, très mignonne. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces deux alphabets. Donc celui-là, il m'a fait penser à du Disney, comme vous pouvez remarquer. Il y avait d'autres couleurs, mais pour l'instant, j'ai pris que celui-là. Et celui-ci. Voilà, donc c'est des planches d'alphabet autocollantes, je crois. C'est ça. Autocollant, voilà. Il y en a 65 et je ne sais plus, c'est moins de 1€, ça c'est sûr. Mais exactement le prix, peut-être 99 centimes je dirais, mais je suis pas sûre. Ensuite, j'ai pris ces petits cœurs. Donc oui, c'est pour le thème Saint-Valentin ou un autre thème. Et puis j'ai bien aimé les petits cœurs. Voilà, rouge. Ensuite, j'ai trouvé les nouveaux coloriages, la méga color Disney Princess. Donc j'ai pris celui-ci avec les stickers comme ça. J'adorais les stickers de Belle et tout. Donc voilà, je vous le fais vite fait comme ça. Hein. Avec Missy Samovar, Lumière, Marraine la Bonne Fée, Cendrillon. Crête, Flore. Ah, il y en a une qui me manque. Bref. Voilà. Rebelle. Tiana. Blanche-Neige. Et j'en passe. Et Pocahontas. Mon Disney préféré.
Donc ça c'était 1,49€, c'était la semaine de la promo. Donc j'ai pris celui-ci avec réponse. Et j'ai pris celui-ci, méga color, Peter Pan. Alors je suis désolée, on voit beaucoup le reflet, voilà. Donc du coup, les stickers, ils sont comme ça. J'ai bien aimé aussi, avec Dumbo, la petite sirène, Pocahontas, Stitch. Donc là, il y a la fée clochette, la mythique scène de la belle et le clochard, Mowgli, le roi lion, le génie, Aladdin, Capitaine Crochet, les Aristochats, bon il y en a plein, Lilo et Stitch, Alice, tout ce que j'adore. Voilà, je vous le fais voir, voilà. Pinocchio, bon bref, voilà. Ensuite, j'ai pris ce kit là. Donc moi je viens juste de le trouver dans mon action. Donc c'est pour faire propre carte à secouer. Donc j'ai pris sur le thème de l'appareil photo parce que j'adore l'appareil photo. Et puis bah je vais vous le faire voir. Du coup comment j'ai fait pour l'ouvrir? Moi je l'ai ouvert du mauvais côté, d'accord. Ça c'est moi. Hein. Donc il y a dans le kit deux enveloppes craft comme ça. De la mousse 3D. Deux rhodoïdes. Est-ce qu'on les voit? Une notice. Voilà. Des cartes comme ça. Alors là, il a perdu son carré, donc je ne sais pas si c'est normal ou pas. Voilà. Donc des petites cartes comme ça avec l'appareil photo. Il y avait plusieurs modèles, mais moi j'ai pris celui-là. Ça. Les die-cuts. Voilà. De la mousse. Je sais pas trop comment expliquer ça. Donc là, il y a un carré, est-ce qu'on le voit? Voilà. Et là, il y a un rond. Est-ce qu'on va le voir? Voilà. Il y a un rond. Voilà. Et des petites paillettes. Alors, blanches. C'est des étoiles blanches, des étoiles noires et des petits strass comme ça. Ils font un peu la mal mes strass, moi. Bref, c'est pas très grave. Voilà. Hop, hop. Bon, on rangera ça après. Ensuite, action. J'ai trouvé, c'est nouveau. Donc je pense pour faire des tranches d'albums ou coller sur des carnets, ça va être pas mal. Il y en a combien de mètres? Ruban aussi mini cuir autocollant. Il n'y a pas marqué combien il y a de mètres. C'est dommage. Il n'y a pas marqué combien il y a de mètres. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, celui-ci. Donc ça c'est moins d'un euro. Hein. Le truc à secouer là c'était moins de 2 euros, ça c'est sûr. Celui-ci. Celui-ci très très thème animal. Voilà. Ensuite, j'ai pris les nouveaux dies bordures. Donc j'ai pris celui-ci. Parce que j'aimais bien celui-là qui faisait comme ça là. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Un petit nœud rose, je sais plus. Et un petit comme ça. Ça c'est les dies bordures. Et ça c'est 1,39€ ou 49€. Voilà. Et celui-là, il faisait penser en nuage. J'ai adoré. Celui-là, j'aime bien. Et puis celui-là aussi. Voilà. Voilà, je me suis restreint à ça par rapport au dice pour l'instant. Ensuite, ça, c'est nouveau. Ça s'appelle des Metallic Outline Marker. Donc, c'est des métalliques. Donc, il y a les couleurs en bas. Donc, yellow. Donc, il y a du jaune, du rose et du orange. Donc, voilà. Donc, ils disent que c'est... métallique plus couleur, meilleur effet sur le papier aquarelle, non visible sur le papier noir, stocké à l'horizontale. Voilà. Puis ils disent comment l'utiliser. Donc voilà, celui-ci. Hop. Hop. Donc j'ai pris black, purple, cobalt. Donc noir, violet, bleu. Pareil.
J'ai pris gris, rose et rouge. Voilà, pareil. Voilà, c'est tout pour mon haul. Hein. J'ai rien oublié. Non. Donc voilà. Donc je vais essayer de les tester. Je vous dirai ce que j'en pense. Je pense que je vais les tester en vidéo. Sur du papier aquarelle, parce que moi j'ai du papier d'aquarelle. Donc, on peut essayer avec le papier aquarelle de chez Action. On va peut-être essayer avec un autre. On va essayer avec deux papiers d'aquarelle. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!